La magie de Noël évaporée à cause de la potentielle venue des Sussex. Ces dernières années, le prince Harry, sa femme Meghan Markle, et leurs enfants Archie et Lilibet, se sont habitués à célébrer Noël loin de l'Angleterre et du traditionnel dîner qui réunit la famille royale britannique à Sandringham. Pourtant, le couple exilé aux États-Unis a récemment fait savoir qu'il accepterait une invitation royale pour Noël si elle leur parvenait. De quoi donner quelques sueurs froides à Kate Middleton, comme l'a indiqué une source au Mirror, en ce début de mois de décembre. Selon l'initié, la maman de George, Charlotte et Louis seraient donc anxieuses à l'idée de revoir son beau-frère et l'épouse de ce dernier lors de cette période chère au cœur des Windsor. Elle n'a pas caché qu'elle craignait également qu'ils essaient de s'introduire dans les festivités familiales. Si cela arrivait, elle serait furieuse, a ajouté la source auprès de nos confrères. Cependant, celle-ci a précisé que Kate Middleton ne mettrait pas de côté Meghan Markle si elle venait à se joindre aux festivités. L'angoisse de la princesse de Galles serait donc surtout liée à l'accumulation des tensions entre les Sussex et la couronne ces derniers temps, marquée notamment par la série documentaire du couple, diffusée sur Netflix, les mémoires du prince Harry, mais aussi les récentes révélations du journaliste dans la version néerlandaise de son livre Endgame. Kate veut juste un Noël en famille paisible et sans drame et elle sait que si Harry et Meghan se montrent, cela va tout gâcher et ils seront obligés d'endurer encore plus de conflits et de bouleversements, ont ainsi déclaré plusieurs sources à Closer. Supérieur à cadeau de Noël, 30 idées royales pour les fans de Charles III et des Windsor. William tout aussi inquiet que son épouse le prince William serait tout aussi anxieux à l'idée de ce scénario pour Noël et n'aurait aucune envie de voir son frère, bien qu'il adorerait voir sa nièce et son neveu, selon nos confrères britanniques. Pourtant, la venue de Meghan Markle et du prince Harry à Sandringham demeure très incertaine. Interrogée par le Mirror, la journaliste Lynn Carratt précise qu'un tel rapprochement serait bénéfique à la couronne, une famille fracturée réunie le jour de Noël, photographiée pour que le monde entier puisse la voir, ferait chaud au cœur, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Alors, un tel cliché verra-t-il le jour? Affaire à suivre. Article écrit en collaboration avec 6 Media Crédit Photo, agence.